Pense à tes cheveux sont encore bouclés. Pas telle astuce technique. Facile, efficace, d'efficace. Il n'a rien très capable. Prends un cheveu très harash. Lissage a été fait il y a 4 jours. Je commence par appliquer un shampoing sans sulfate. Premier shampoing c'est pour le blahani. Deuxième shampoing c'est pour nettoyer, je dis une bevesse. Gratte la racine, on gratte la longueur. Supposition que le shampoing glisse sur les longueurs. Est complètement fake. En tout cas pas sur le cheveu maghrébin. Prends masque. Prends fine mèche. Applique masque sur fine mèche. Tu viens taper fine mèche. Plus tu vas la travailler, plus le résultat sera incroyable. Fais exactement la même chose sur toutes les mèches. Pas besoin d'utiliser une brosse. Évidemment, ça va se démêler tout seul. Touche jamais le masque sur le cuir chevelu. Sinon tu te retrouves avec les cheveux gras. On brosse jamais la racine. Faut bien rincer. On brosse de bas en haut. Tu commences par les pointes et tu finis par la longueur. Tu peux appliquer un spray protecteur. Si t'es dans mon cas, t'es pas obligé. Prends doigt bien dégueulasse. Touche ton gros crâne. Prends ses cheveux. Baisse ses cheveux à fond, je dis une bavesse. Et viens chauffer sa grand-mère. Si t'as mal, tu peux pleurer en silence, qu'il bête. Une fois ta racine bien séchée, tu peux attaquer les longueurs. N'hésite pas à gratter comme un petit chat, histoire de décoller ta racine de ton gros crâne. Tous les machins le golem, ça fait rien. Tu peux attaquer les longueurs. Les longueurs sont complètement secs. Tu peux attaquer tes pointes. Tes cheveux sont complètement lisses. Tu viens vérifier ta grosse tête. Tu ouvres cheveux en deux. Prends fine mèche. Ta racine est complètement lisse. Et t'es en train de te plaindre pour rien, qu'il bête. On a utilisé seulement un sèche-cheveux. Pas besoin de plaque. Ta routine capillaire va changer. Tu abîmes plus jamais tes cheveux. On n'utilise plus de source de chaleur. Du coup, tes cheveux poussent deux fois plus. Résultat top one. Abonnez-vous.